Sollte eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Arrêtez-le! Colère, c'est terrible! Je vais les visages de l'enfer pour te dévorer! Les flammes de l'enfer! Hure den Zorn Gottes! Wir sterben! Was ist der Donnerweg hier? Il va droit dans une masse! Attrapez-le! Tu ne m'échapperas pas! Qu'est-ce que tu fais? Oder ich werde euch über den Haufen rennen! Oder ich werde euch über den Haufen rennen! Ma colère sera terrible! Je vais t'équiper! Mourir, soit. Ça va bien difficile. Je veux mourir, soit. Des orphelins, ils sont bien récompensés, nos efforts. Le roi Richard nous a promis un avenir meilleur. Des terres intactes, un nouveau départ. Mais nous n'avons plus... Tu n'as pas le droit d'être ici. Des tombes, des veuves, des orphelins. Ils sont bien récompensés, nos efforts. Le roi Richard nous a promis un avenir meilleur, des terres intactes, un nouveau départ. Mais nous n'avons vu que la mort. Debout, mes amis! Ne nous laissons pas envoyer au massacre pour céder aux caprices d'un roi en proie au doute. Accordons notre confiance à des hommes qui ont des convictions. Des hommes comme Guillaume de Montferrat.
J'essaye de retourner, d'où vous venez. De l'or. J'ai quelques pièces sur moi. Prends-les. Prends-les et file. Je me moque de l'or. Je veux des informations. Je ne sais rien. Tu connais Guillaume. Je dois le rencontrer. C'est impossible. Il s'entretient avec le roi. Quand le roi doit-il partir? Ce jour. Mais cela ne changera rien. Ils vont se quereller et Guillaume se retirera pour sermonner ses soldats. C'est une habitude. Richard blâme Guillaume et Guillaume blâme ses hommes. Je te l'ai déjà dit, je dois voir Guillaume, mais je n'ai jamais dit que lui devait me voir. Cette conversation est terminée. Pas si vite. Il me reste encore quelque chose à te prendre. Ah oui, quoi? La vie. Ne reniez pas vos convictions. Restez forts. La route sera longue et les épreuves nombreuses. Que Dieu veille. Que s'est-il passé ici? Est-ce qu'il a fait ça? Mais pourquoi fait-il ça? Thank you.
Que lui prend-il à celui-là? Il te laisse aller et venir à ta guise? Je croyais cette forteresse interdite d'accès. Oui, mais Guillaume souhaite que les réparations soient faites aussi vite que possible. Une chance pour nous. Une couverture parfaite. C'est malin. De toute façon, j'ai fini mon rapport et je dois le porter. Pour une fois, la situation nous est favorable. C'est pas un accident. Tu sais ce que dit la Bible? Aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, il s'agit d'un extrait des fables d'Ésope. Au contraire, de nombreux passages bibliques évoquent la patience, la loyauté et la nécessité d'attendre que le Seigneur décide si, oui ou non, il apportera son aide. Bien, je crois que nous avons assez attendu. C'est pas moi qui te contredirai. Très bien. Alors je m'en vais. Va-t'en, paysan. T'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Il ne peut pas m'échapper. Où es-tu? Le voilà! Il est là! Je vais te traquer comme une bête! Un assassin! Il doit pas s'échapper! Thank you.
Nous sommes les envoyés de Dieu. Pitié, ne me faites pas de mal. Ah. Arrêtez, je vous en prie. Vous me faites... Pour qui te prends-tu? Je suis l'épée du Seigneur. Et le diable incarné. Je vais libérer ton âme. Pour la gloire du Seigneur. Plus rapide que moi. Que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Il y a un meurtrier en liberté. Nous nous sommes détournés de Dieu. Et pour nous... Vous ne rêvez pas. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, de quoi a-t-il peur, cet imbécile? Tous les dieux, ne me tuez pas! Oh, c'est toi, Altaïr. Tu m'as fait peur. Vois-tu, deux hommes de Richard en ont après moi. Nous étions en pleine négociation, mais j'ai vite compris qu'ils essayaient de m'escroquer. Alors, je me suis enfui. Toi, l'ange de la mort, prends leur vie avant qu'ils ne prennent la mienne. En échange, je t'expliquerai ce que je tentais de négocier avec eux. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Il a du Très bien. Alors, où es-tu? Ah!
Regardez autour de vous, mon ami. Quel soulagement, je suis en sécurité maintenant. Merci. Je tentais de convaincre les gardes de la citadelle de laisser les portes ouvertes, même si l'alerte était donnée. J'ai échoué. Pour t'enfuir de la citadelle de Richard, tu devras escalader les murs. Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a à courir? Qu'est-ce qu'il a? Il doit tomber, il va blesser quelqu'un. Altaïr, quel bon vent te ramène déjà? J'ai fait ce qu'on m'a demandé et je me suis renseigné. Parle, nous verrons bien. L'armée de Guillaume en impose et il se fait appeler maître par ses hommes. Mais il n'a pas que des amis. Lui et le roi Richard ne s'entendent pas vraiment. Exact, ils n'ont jamais été proches. C'est une chance pour moi. La visite de Richard l'a contrarié. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa rancœur. Il sera distrait. Je pourrais intervenir. Tu en es certain ? Aussi certain que possible. Et si ça évolue, j'aviserai. Alors tu as ma bénédiction. Mets fin au jour de Montferrat, que cette cité soit enfin libre. Je ne reviendrai qu'une fois ma mission accomplie. Avance rapide vers une séquence plus récente. Sale voleur.